Bon, c'est un gros jour pour Haïti, c'est un gros jour pour le tourisme, c'est un gros jour pour tout Haïtien qui vivent en Haïti ou l'autre bord de l'eau, qui a besoin que le pays apprend au niveau international. Eh bien, c'est le gouvernement Matéi Lamotte là décidé de faire de Ilavache une destination touristique à part entière. Nous avons fait plus de 15 km de route. Tout à l'heure, je précisé 8, mais je précise que c'est 15 km qui est en fait journée aujourd'hui pour arriver dans le lancement à l'aéroport international Ilavache. Et ça, c'est une de plusieurs projets qu'a fait. Il y a un projet d'ingénierie sociale, il y a de l'eau potable, il y a un projet d'électrification, il y a plusieurs hôtels internationaux qui expriment intérêt pour venir investir ici. Il y a des gouvernements en bagaille à l'aéroport international. L'aéroport international, ça, il peut mettre Ilavache dans un standard mondial. Parce que là, regardez, ouais, en Zufou, c'est la 57e plus belle plage au monde. Eh bien, le gouvernement lui-même est obligé de suivre le pas pour que nous mettions l'aéroport ça. Et je dis à nous résilencer l'aéroport ça. Et je bat bravo pour tout le monde qui est là, qui a aidé, qui a collaboré avec solidarité pour mettre Ilavache, mettre le Sud, mettre Haïti en général, son carte mondial, côté que nous avons dignité de peuple, nous, côté nous sommes fiers de pays, nous, et même côté nous capable d'avoir une destination touristique, même avec tout l'autre pays dans les Caraïbes. Et nous avons une plus belle plage, nous avons une plus bon manger, et bien nous allons mettre en valeur ici, là, sous Ilavache, avec toute fierté nationale pays, avec toute dignité de peuple, nous. Et bien nous, là, nous lançons l'aéroport, ça, aujourd'hui, qui est un aéroport international de 2,6 km, 2600 mètres, avec un terminal international, avec tanker pour gasoline, là. Nous gagnons tout. Et pratiquement, tout élément est là pour nous réussir mission ça. Et mission ça, nous n'avons pas failli là-dedans. Mission, c'est faire de Ilavache, faire de Haïti un centre international côté touriste capable de venir bien en mer, que ce soit touriste étranger ou touriste diaspora. Diaspora capable de garder nous là, nous inviter nous tous. Mais bien entendu, il faut qu'un avion capable de sortir de New York, l'atterrir ici. Il faut un avion capable de sortir de Saint-Domingue, l'atterrir ici. Il faut un avion capable de Miami, Paris, et atterrir ici. Et mais c'est rêve ça qui peut arriver une réalité à partir de journée aujourd'hui là. Et je remercie tout le ministère touriste qui lui même une coordination projet. Je remercie le député qui a couru le projet dans le Parlement. C'est très important parce que il y a des gens qui ne comprennent pas le projet. Il y a des gens qui ont essayé de faire le projet, on fait que le pas vraiment. La réalité c'est que Haïti a une belle plage, nous avons une belle cocorée, nous avons un bon manger. Nous avons une belle culture, il faut mettre en valeur. Et pour mettre en valeur, eh bien, il faut nous capables de faire. Même avec tout l'autre pays caraïbe, il y a des aéroports à proximité de sites touristiques. Point final. Et c'est ça que nous avons fait là. Donc, ministre tourisme, je passe au maître là. Et je remercie encore pour tout ce qu'on a fait pour Fougou, pour l'énergie. Et le projet Ilavache là, c'est un projet qui peut réussir. Non seulement l'aéroport, mais tout le reste du projet à tout. Donc, peut-être qu'on peut parler de l'article de question ça. Merci pour mes ministres, je salue la presse là, qui accompagne nous depuis matin hein, la belle destination ça qui est Ilavache. Je dis hein, c'est en réalité projet est lancé, pas seulement projet aéroport, mais projet route lancé en réalité tout 15 km nous fin que faire en polaris avec premier ministre et toute délégation hein. Je remercie député hein, qui là, je remercie magistrat parce que depuis le début, depuis nous commencer projet ça en octobre. Ça fait 10 mois qu'on travaille sous l'île, nous sommes venus dans l'île, nous faisons des ateliers communautaires, nous parlons à Mounio, nous disons mais ça nous prend le faire. Et je dis, on a délivré après 10 mois. Donc nous comptons que la population accueille nous. Et nous, elle, sous toute route là, nous disons que nous avons baillé au glo, nous avons baillé au lampadaire pour les ministres qui ont incité tout ça. Ce qui est important, c'est que faut accompagner nous dans le développement parce que c'est eux qui pourraient mieux bénéficier. Mais développement, qui s'allie? Développement, c'est développer en destination. C'est monter un plan d'aménagement concret. Côté, nous pourrons gagner espace pour résidence, espace pour gagner l'autre hôtel. Nous identifier plus de 12 belles plages. Ce n'est pas seulement plage en Dusfoulan qui est belle. Il y a toute plage sud yolan sud ziléen qui est superbe, côté nous ka mettre golf, côté nous ka ranger des villas, des résidences. Donc c'est ça que n'a bataille pour nous mettre en place. Femme dit nous que gagne un appel d'offres qui fait au niveau international, nous gagne 4 grands groupes qui intéressés venir investir dans ziléen. Donc là pas accompagner tout investissement que gouvernement ça a mettre sous Ilavache, accompagner non seulement une fois que aéroport apparaît
en même temps, parallèlement, projet touristique a commencé pour que nous puissions recevoir avion. Donc, Mouni Lavachio, c'est un projet pour nous, mais Jean-Premier ministre a dit que c'est un projet pour Haïti. Il prend la première destination touristique Haïti qui planifiait. Côté nous avons un comité de pilotage que nous mettons en place, nous mettons un comité technique, nous avons un ingénieur sous-iléen qui poursuit tout le projet. Nous avons un corps de police tout qui va venir en sécurité à Moun sous-iléen et à touristes qui va venir. Donc, il prend vraiment un projet à part entière. Donc, nous comptons aujourd'hui à nous lancer. Nous très confiants qu'en début 2014, construction hôtel va commencer. Nous projeter à peu près 2500 villas, condos pour Île Lavache dans un plan d'aménagement intégré. Donc, aéroport, je dis, Jean-Premier ministre a dit, pas de 11 îles dans le Caraïbe qui dit que son destination touristique, que le pas de aéroport, je dis. Donc, pour nous compétitif avec l'autre destination, il faut que nous construisions aéroport et c'est un premier demande d'investisseur. Donc, c'est un bon investissement que le gouvernement fait pour nous mettre Île ça sur un plan international. Donc, le ministère du Tourisme parle coordonner l'activité. Je salue l'autre collègue qui l'a. Secrétaire d'État TPTC1, secrétaire d'État Agriculture qui fait présenter un bel plan au niveau agriculture pour Zileen. Féliciter tout son travail conjoint lié, même si le ministère du Tourisme a coordonné, mais tout le monde a mis main à la pâte pour nous faire de destination ça, plus belle destination Caraïbes. Je vous le ministre a dit, il lavage son paradis. Donc nous souhaitons que la population accompagne nous. Nous connaissons pas accompagner nous, mais que Haïti en général fier de projet ça, que diaspora fier de lui et que là nous parions pour nous recevoir touristes, que notre premier touriste que nous recevoir dans Zileen. Merci beaucoup. Ok, et ça qui fait fierté je dis, c'est parce que l'aime t'es rentré au CAI 89, 90, 90, excusez, t'es gagné des élèves qui partent de chita leur dit ou sorti la vache pour qui ça parce que eux toujours dit c'est mon main gwen mon labou tout ça pendant que lancement projet ça fait là j'ai une plusieurs appels qui fait comprendre depuis comment m'a fait une petite bouteille la vache comment m'a fait comprend ça veut déjà dire que moun ça reconnaît ça veut dire importance touriste là que ou choisi une zone comme pôle touristique et c'est la vache est tombée et c'est pas un particulier c'est une vérité c'est un rêve qui vient une vérité. Je vais continuer à soutenir le pouvoir Michel Matéli avec Laurent Lamotte, comme nous connaissons que Mélissou, même parti politique avec elle. Et nous avons fait campagne là sur ça, sur tourisme, parce que nous connaissons que le tourisme, c'est une industrie qui est capable de porter un grand développement pour tout le pays. Là, ça, nous allons voir que exactement ça nous allons dire, ça que nous avons dit, ce n'est pas menti. Il y a des gens qui comprennent. Sous premier pas, yo ka bal pour l'autre connotation. Yo pas pour importance. Mais c'est après 2 ans, 3 ans, les bagages a commencé bail une autre ouverture, bail une autre orientation. Les ça nous pral connait exactement qui ça veut dire une zone que yo décrété comme pôle touristique. Dans ce sens, il a acheté voté nous. Moi crois que li voté nous c'est pour avancement, c'est pas seulement venir faire un monde avec nos aides sociales, mais c'est pour un développement capacité pour 100 ans et pour génération en génération capable de venir. L'autre bagaille que moi-même, moi fier, là où tu es convoqué Premier ministre, sénateur en l'occurrence, ça c'est moi qui dis, le pas PM, c'est moi étant que parlementaire qui prend le courage pour dire ça. Tu as 8 sénateurs qui étaient d'accord pour voir le Premier ministre aller pour qui ça, parce que le Premier ministre a orienté un projet de si grande envergure comme ça, il dit que ça va prendre l'argent, le nord vient là, menti. Moi-même, je suis campé, je suis conférence de presse, je dis non, et m'explique que ça veut dire touriste, ça veut dire que y a un aéroport international dans la zone pour qu'il y ait un local cap de servir tout le pays. Pour qu'il y ait un local, c'est comme Simdadou, il n'a pas fait partie du pays d'Haïti. Dans ce sens, que nous-mêmes, nous demandons pour tout le monde, renforcer que ce diaspora, que c'est local, national, renforcez-nous, aidez-nous, quel que soit dans le moyen, dans le lobby, dans la protection des gens qui travaillent sur la compagnie Estria. Renforcer et le Premier ministre à tout le gouvernement, laissez-nous être capables de jouer un projet qui atterrit avec toute simplicité, avec toute efficacité, s'il vous plaît. Dans ce sens, pour tout le monde, nous connaissons l'âme faite, et c'est Mouni Lavache, moi, c'est député Zone Namie. Tout le monde rentre dans le travail là et venir avec des idées positives pour que le travail là capable de vivre dans le niveau. Là. Merci tout le monde, pour, merci PM pour le projet. Ça. Merci. Le projet à lancer. Le projet à lancer. Merci tout le monde. Merci tout le monde.